Salut tout le monde, c'est Steven. On se retrouve avec la saison 7 dans notre petit monde modé. Je suis en train de faire cuire du fer parce que j'en ai plus beaucoup. J'en ai 18 qui sont cuits donc je peux faire 4 blocs. Pendant que ça cuit, on va faire ce que j'ai fait, ce que je. Enfin, ce dont je vous ai parlé au précédent épisode. On va se faire un igneous extruder et un aqueous accumulator. Comme ceci. Donc ça, ce sont les machine frames, ce sont les composants basiques des machines dans. Je me suis gouré. C'est pas comme ça qu'on fait. Des machines dans Thermal Expansion. C'est pas comme ça non plus. Oups. Machine. Machine. Frame. Non, c'est pas ça du tout que je voulais. Aqueous. Non! Ça, le pneumatique cerveau. Ah, c'est deux verres et un redstone. Ok, donc il va nous falloir plus de verres. Il va nous falloir. On va s'en faire 7, comme ça on peut le faire cuire directement grâce à la minium stone. Hop, on met ça là, et bim, du verre cuit. Cool! Est-ce que tout a fondu ici? Non, pas encore. Hop. Donc ensuite, ça sur les côtés, ça au milieu, je crois. Ouais. Donc deux pneumatiques cerveau. On va se faire. Non, j'ai déjà un seau. Donc j'ai pas besoin du marteau en fait. Oh, ça a fondu. Hop, hop. Donc pour les deux il y a du verre, il y a le pneumatique cerveau, machine frame, et ensuite du tin ici. Et voilà l'aqueous accumulator et voilà l'igneous extruder. On va les mettre à profit dès maintenant. Je vais juste me faire un coffre. Oups. Pas du tout ce que je voulais faire. Voilà. Attendez, j'ai récupéré les blocs. Ah oui, le truc blanc, c'est la minium stone qui fait ça. Parce qu'il y a certains blocs qu'on peut transmuter. Mais bon, je vais remettre en cobblestone parce que c'est mieux. Hop. Je vais faire cuire ça. Va faire cuire un là et le reste je vais cuire avec ma minium stone parce que j'en aurai besoin bientôt et j'ai pas envie d'attendre. Je suis quelqu'un de pressé, monsieur. Ah! Pas du tout. Vraiment, on est obligé de passer par un four pour ces trucs-là. Ok. Bon. J'aurais gaspillé un bâton. Bon, on va aller. Dans notre petite base. Et on fait vraiment des économies de matériaux avec, avec cette machine, c'est vraiment cool. Ah oui, il fallait que je détruise un peu ça. Bon, je ferai après. On va mettre ici la machine. Donc, il va falloir mettre l'Aqueous Accumulator en bas. Ici c'est fermé, très bien. Donc pour ça il nous faut deux blocs source d'eau. Ensuite on met l'Aqueous Accumulator au milieu. Ce qu'il va faire c'est qu'il va. Youpi! Merci! C'est génial! Ok, il y a eu un petit problème. donc il va pomper l'eau et il va la mettre là. Ensuite. On peut placer un igneous extruder au-dessus, comme ceci. On va juste mettre l'entrée d'eau par le dessous. Et on va mettre de la lave dedans. On va mettre en mode caillou. Et donc normalement,
avec cette version de Thermal Expansion, il n'utilise pas de lave, il n'utilise que de l'obsidienne. Et donc on a de la stone à l'infini. Et en fait, je pense que je vais bouger ça. Je vais plutôt mettre ça ici. Il y a des petites dalles qui sont tombées, bien sûr. Oui. Ça là. Je rebouche là. Et puis je vais mettre la sortie de ce bloc là. Et je vais mettre le coffre. Comme ceci. Et voilà. La stone qui est créée arrive dedans. Ok, ben c'est cool. Donc je vais attendre qu'il y en ait un peu plus et puis je vais essayer de compléter un peu la maison. Merci Greg! Ok, j'ai un petit peu avancé. Et comme vous avez pu le voir dans le précédent segment, je vais avoir besoin d'un compresseur pour faire de la glowstone. Vous allez voir pourquoi bientôt. Et j'ai pas pris. Oh mince. Donc on va faire un compresseur vite fait. Et donc encore une fois, ça va. Enfin, je vais avoir besoin de fils. De câbles en copper pour les faire. Donc encore une fois, ça va utiliser beaucoup de matériaux, mais je voudrais faire le wire mill, automatic wire mill, pour utiliser un peu moins de copper pour faire tous les câbles, ça serait pas mal. Et je compte le mettre à côté de cette machine, donc du coup je vais mettre le compresseur juste après, c'est-à-dire là. D'ailleurs, voilà pour toi. Titi, il est où mon compresseur? Ah bah non, je suis con, je l'ai pas encore fait le compresseur. Ah oui, au fait, j'ai fait le toit et j'ai encore de la stone qui est en train de se faire ici. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, il m'en faut 5 plaques de plus. Et on se retrouve une fois que j'aurai fait, parce que vous avez déjà vu tout ça. Donc à tout de suite. Voilà, j'en ai profité pour compléter les murs. Et on est en nombre pair, donc j'aurai une double porte. On va mettre le compresseur. On va compresser ça. Ah oui, c'est long. Est-ce que j'aurai assez d'énergie? Putain, j'ai déjà bouffé plein de charbon. Va passer au solaire assez rapidement, mais ou alors aller dans le nether et utiliser la lave, ça serait pas mal aussi. Mais on se retrouvera une fois que ça aura compressé, qu'on sera prêt à faire la suite. Ok, ça doit être fini. Oui, c'est fini. Donc ce que je voulais faire sont des lampes du mode Red Logic qui sont inspirées des lampes de Red Power. Il me semble que c'est comme ça qu'on les fait. Ouais. Oui, j'en aurais même pas eu besoin parce que F7 me dit qu'ils peuvent spawner nulle part ici les mobs, mais bon, tant pis, on va les mettre quand même. 1, 2, 3. On va voir si on en met. Est-ce que je peux les casser? Ouais, cool. Si je mets une là, 1, 2, 3, une là, 1, 2, 3. Ah, ça me paraît pas mal. Mais par contre, du coup, maintenant. Je me demande pas si j'aurais. Peut-être les faire en bleu, ça aurait été mieux. Bon, tant pis, maintenant qu'elles sont faites, je peux pas trop. Je peux plus trop reculer. 1, 2, 3. 3. Et ici. Et voilà, on a de l'éclairage en haut et en bas du coup aussi, parce que ça va éclairer en bas. Cool. Pour finir cette vidéo, même si je sais pas trop où on en est, je voudrais faire une nouvelle machine. Donc c'est le wire mill dont je vous parlais tout à l'heure, qui va être très utile pour faire des économies de ressources en craftant tout ce qui est les câbles de copper, les trucs comme ça. Pour cela, on va avoir besoin de zinc, c'est pour ça que je suis allé en chercher au dernier épisode dans le Nether. Vous voyez, tout fait sens. tout ça, on peut laisser là. Alors, wire mill, donc on va avoir besoin de
plaque de brass que l'on va faire avec ça. Ça que l'on va avoir avec ça. Que l'on va avoir. What? Copper dust. Sauf qu'il y a d'autres moyens d'avoir la copper dust. J'ai pas encore de pulvériseur. Ah voilà, avec un marteau, on peut en avoir. Donc je vais avoir besoin de 3. J'ai un marteau. J'ai des minerais quelque part. Ici. Hop. Ensuite le zinc. Non, un seul est suffisant. Et on va avoir du brass. Brass dust, très bien. Je vais juste regarder ce dont on va avoir besoin pour le reste. Des circuits électroniques, un machine block. Ok, je vais crafter tous ces trucs là et on se retrouve après parce que je vous les ai déjà montrés au dernier épisode. Et un diamant. Et voilà, on a nos lingots. Il faut avoir fait fondre la poudre de brass. Qui est un alliage du coup. Et on va crafter cette machine. Vraiment, on va faire des plaques avec cette chose. On va avoir besoin de plus de courant. Tout ça également. Je sais pas trop ce que c'est que ces trois boutons. Faudrait que je fasse des recherches. Allez! Plus vite! Il y a toujours un temps de pause, on dirait, entre les trucs. C'est assez chiant. Je sais pas du tout ce que c'est. Et tout ça également. Voilà, donc on va faire premièrement une batterie. Très bien. Ensuite, il nous faut une quatrième. S'il vous plaît, merci. On va se faire. Ah non, j'ai pas assez de redstone. J'en ai marre de faire des allers-retours. Vous savez quoi? D'ici le prochain épisode, je vais transporter tous mes coffres là-bas et je vais les ranger un peu mieux. Je vais faire un coffre pour les métaux, un coffre pour les poudres, un coffre pour les autres ressources, un coffre pour les blocs. Ce genre de choses. Je vais prendre tout ça, ça sera suffisant. Enfin, j'espère. Sinon, on va avoir des problèmes. Ou pas. Hop. Qu'est-ce que je voulais faire déjà? Ah oui. What? What? Mais j'ai fait juste assez de copper cable? Bon, et ben je reviens. J'ai franchement hâte d'avoir mon système à plein énergie sticks de fait pour pouvoir crafter les trucs automatiquement. Parce que. Ça prend du temps de crafter tous ces machins. 4, voilà. Voilà, 4 circuits électroniques, on a une batterie. Ensuite, il nous faut le conveyor module. Le voilà. Ensuite, il nous faut le machine block. Que voici et je pense qu'on peut tout assembler maintenant. Qu'est-ce que je cherche? Ça. Et voilà. Automatic wire mill. Très bien. Ça va être très utile. Parce que. Oula. Donc vous voyez, avec un seul lingot, je peux faire 3 câbles. Alors qu'avant, un lingot faisait un câble en gros. Attendez, non. Un lingot faisait 2 câbles, donc ça fait une petite économie de lingots de copper. Et puis d'autres choses, hein. Je vois qu'il y a les tins. Pas très utiles, mais ceux-là sont assez utilisés également. Oh! Avec 4, on fait un.
Ah, il y a des nouveaux trucs. Ça, c'est quoi? Soldering LED. Ouh. Ah oui, donc c'est la même chose, mais en fait, il nous faut juste utiliser l'énergie, quoi. C'est pas très utile. Bon, là, je peux pas le tester. Ah, il fait nuit. Ah bah tiens, comme ça on peut voir de nuit ce que ça rend. C'est plutôt joli. Éclairage par le sol comme ça. Et si ça se remplit? Oui. Très bien. Ah, il y a des monstres peut-être. Youp. Youhou. Donc la prochaine machine que je voudrais faire, c'est un extracteur. Je vais pas le faire maintenant, bien sûr. Je suppose. Ouais, voilà, ils ont le celui-là, donc il n'y a plus que celui-ci. Donc voilà, c'est un machine block, truc comme ça, et 4 three taps. Donc c'est très simple à faire, je le ferai d'ici le prochain épisode. Donc je vais également bouger tous les coffres pour les mettre dans la maison. Pardon, dans la maison là-bas. Hop, je range un peu mon bordel. Hein. Voilà. Très bien. Ah oui, on m'a demandé les torches. Ce que c'était. Donc ce sont des torches de Tinker's Construct qui sont faites avec de la cobble. Vous mettez de la cobble comme ça vous fait des bâtons. Vous mettez du truc. Comme le bois est assez limité à cause de. À cause de. Gregtech. Hop, ça nous permet d'en avoir un peu plus. Donc voilà, on va continuer sur la lignée de Craft pour les prochains épisodes encore. Hein. Encore une fois, je voudrais aller jusqu'au quarry, et pour ça j'ai besoin d'encore plus de machines avancées. Et une fois qu'on aura le quarry, on pourra se concentrer sur un peu sur forestry, les abeilles, ce genre de choses. Et donc pour l'instant, on va continuer avec Gregtech. Et voilà, donc j'espère que l'épisode vous aura plu. On est niveau 42, youpi, 42. D'ici le prochain épisode, donc je ferai ça. N'hésitez pas à laisser un pouce vert, un commentaire, vous abonner à ma chaîne YouTube. Et à plus.